Il y a des discords qui commencent à se créer sur ce radeau. Quelle Chanel? Vous avez à manger pour moi? Gros, tu casses les couilles. Mais pourquoi chaque fois que je dis un truc, il rigole? Moi, Amine, franchement, tu me la mets. Hein. Parce que je sais, il y a des gens, ils font dans les fesses. Du coup, je me dis, c'est impossible de rentrer dans les... C'est nécessita le cœur de la noche. Wow, la grosse daronne d'Amine qui conduit une Tesla. Avoue qu'il ressemble pas à Jamel Debbouze quand même. Il ressemble pas du tout à Jamel Debbouze. T'as jamais vu mon daron? Si, avec son jean et son col roulé. Frère, il a jamais mis de col roulé, frère, mon daron. Non, mais. Eh, toi, t'as un chien. Eh, toi, vas-y, on va se voir à la salle demain, tu vas voir. Serge le Lama. Avant de commencer, il faut qu'on fasse un résumé de ce qui s'est passé. Vous me dites si c'est bon. Après plusieurs aventures sur leur radeau, Amine, Locklear et Inoxtag se sont dirigés vers plusieurs îles. Ils ont su y trouver un maximum de graines. Beaucoup de graines pour pouvoir les planter sur leur navire. Ils ont pu se faire une forêt sur leur navire et aussi un champ. Un champ avec des animaux récoltés sur les îles opposées. Il y a le lama qui ressemble très beaucoup à la daronne d'Amine et la chèvre qui ressemble à son daron. Je les ai vus ken la dernière fois. À toi, Amine. Effectivement, ces animaux n'arrêtent pas de ken dans l'endroit établi par Inox. Nous n'avons pas trouvé que des animaux, nous avons aussi trouvé des matériaux permettant de construire un radar. Ces radars sont placés ici, au bord du radeau. Le radar sert à détecter tous les gros boulards de la mer. Il a même vu... Ouais voilà, j'ai juré que j'ai tendu la perche pour voir si t'as insulté ma mère. J'étais exprès, j'ai juré que j'étais exprès. Ok, non, reprends. Le radar sert à détecter, on sait pas, on sait toujours pas ce qui sert à détecter. Mais nous allons le découvrir. Ce radar fait partie sûrement des mystères qui encombrent ce jeu. Nous avons aussi pu dégoter et créer un tire-boule, un tire-filet. Ce tire-filet nous a permis du coup de capturer ces animaux que vous voyez derrière. Locklear a des problèmes de testostérone, il n'arrive pas à s'empêcher de faire... Eh vas-y, venez. Il n'arrive pas à s'empêcher de baiser avec la chèvre. Vas-y, venez. Allez, c'est quoi la suite, hein? Attendez les gars, je vais mourir de bouffe. Alors, mais attendez. Tu m'as pas donné de la bouffe, Amine. Je t'ai juste demandé si tu voulais de la bouffe. Attends. Mais t'es bizarre. Alors les gars, j'ai une question. Je suis parti 3 semaines. Comment ça se fait que les plantations, elles vous les replantez pas, les gars? C'est une question. Hein. Locke, il y a moyen que tu me traduis ce qu'il dit, Inox? Pourquoi il dit tu traduis, ouais, frère? Tu comprends le français? En gros, le serveur, il était à l'arrêt, hein, frérot. Ah, le serveur, il était à l'arrêt. Ouais, genre quand Amine il joue pas, il y a personne qui joue. Ah. Activons le radar. Allez, activé. Ok. Vas-y, active le radar. Donc, on va voir ce que ça fait. On allume. Ah. Activé. Oh, il y a des points avec des. T'as vu? Frérot, c'est des îles. Regarde, tu vas voir comment je lis trop bien. Vas-y. Ton radeau est foudroyé. Tu es un éclaireur. Ton radeau est ton foyer. Ton grappin est ton ami. Si ton radin se brise... Non, en gros, on va faire... Attends. Ah ouais, carrément, il te doit de l'argent. C'est un radin. Frère, Ah, il a du radin. Vas-y, arrête de lire, Féro. Je fais mieux. À moi. Non, on fait une ligne chacun. Ok, vas-y. Un point chacun. Vas-y. Si tu as l'impression que l'océan est interminable, c'est que tu n'es pas suffisamment attentif. Rien, Locke. Oui, non, Locke. Locke, c'est à toi. Rien. C'est à toi, Amine. Rien n'est impossible si tu récupères les bons objets. Suis les fréquences radio. Si elles émettent, ça veut dire qu'elles sont hors de l'eau. D'autres sont venus avant toi et d'autres le succéderont. Assure-toi de laisser une trace. Le monde a disparu, mais les histoires demeurent. Ressemble à un ami, si il dit. En ressemblant un maximum. Oui, ressemble à un mixel. Et pour l'amour du ciel. On se retrouvera dans un lieu plus sec, serait-ce. L'histoire, lisez l'histoire, les gars, vous étiez lancés là. Y'a plus rien. Mais y'a plus d'histoire là. Y'a plus rien. Non. Bah non, y'a que deux pages. Ah bah GG les gars, on peut prendre les ressources de l'île et se barrer. Ça veut dire qu'on pue la merde, frérot. Je crois que normalement il est censé avoir une non, histoire. Pas du tout. Mais non, je te jure, là c'est bon, là vous avez tout compris. Et là faut lancer le navire vers le. Radio Power. Le truc, mais vu qu'on a plus de batterie, bah on est baisé. Bah on bouge alors là. Vous pouvez pas te taper. Ah y'a plus de tirami. On peut pas. Bah ouais, je t'ai dit de cocher la case. Y'a plus de tiramisu. Ok, bon, vas-y, je vais pas te faire foutre. sale bâtard. Ouais, attends, mais y'a. Non, mais y'a pas de clim chez moi. Moi non plus, il fait trop chaud ça, mec. Ah, voilà, j'ai. Oh putain. Eh les gars, carrément j'ai le jus de caleçon qui commence à venir là. Ça les gamers, on a tous ça souvent. Tu l'as ou pas toi en tant que gamer? Vous l'avez vous? Jus de caleçon? Le quoi? Le jus de caleçon. Je suis pas un vrai gamer. Moi quand je joue et qu'il n'y a pas la clim, j'ai le jus de caleçon. Locke, il écoute du Naps. Ah bah super. C'est quoi du Naps? Du Naps, c'est un ancien chanteur. J'y suis tombé dans l'eau. Moi j'écoute Balavoine, Oh, est-ce que t'écoutes Goldman? Bien sûr. Est-ce que t'écoutes Renault? Mais c'est une voiture aussi. Ça, coup du cul. Les étrangers, quand tu m'ouvres. Oh, je connais ça. C'est ça, c'est Renault ça. L'anonyme n'est pour toi. De la violence éternelle.
Petit portoricain. Eh, ça, c'est des vraies musiques, hein. Ouais, ça, c'est des vraies musiques, ça. C'est les musiques de nos parents. Tu connais cette musique? Dans cet ascenseur. Crois pas qu'on est les seuls dans cet ascenseur. Locke, tu connais ça? Ça se voit. Non, je connais pas. Honnêtement, vous en pensez quoi du nouveau son Nino, Naps et Alonso? Frérot, ça y est, tout ça c'est fini. Faut écouter des musiques à l'ancienne. Faut écouter Renaud, Balavoine, Goldman. Ouais, dis-le. Serge Lama. Eh, hey, faut écouter Serge des vraies Lama musiques. C'est Serge Lama. Oh non, j'ai oublié. Oh non, j'ai oublié. C'est Serge Lama. Un sacré Lama. C'est vrai, il est passé, ça doit. Non. Et rends-moi mille fois qu'il a compté mes doigts. Qu'est-ce que t'as fait? Où t'es, là-bas, où t'es? Gros, c'était un banger à l'époque, frérot. Lance, mais trop bien. La ferraille, hein, frérot. Tu chopes la ferraille. La ferraille. Ou je te bute. Sors de l'eau. Bah, les gars, j'essaye de choper un max de ferraille. Inox, il s'émute. Mais il y a. Ouais. Ah, Inox, il fait genre, il m'entend pas. Ouais. Locke, j'ai pris max de ferraille. Inox, hein. Tu m'entends? Locke, j'ai trouvé une grotte souterraine. Hein. Vas-y, t'as la caisse. Je fonce. C'est du chantage affectif. Je vais péter un plomb, j'ai jamais vu ça de ma vie. Soit tu me dis que tu m'aimes, soit je te parle pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, y a rien, Locke, dans la grave là. J'ai l'impression que y a des discords qui commencent à se créer sur ce radeau. Quelle Chanel? Oh, elle est excellente! Ok, allez, je le mute, il se fout de ma gueule. Mais non, j'ai kiffé cette blague! Mais non, mais oh non, vas-y, c'est grave, je rigole à sa blague et tout, je lui fais plaisir, et c'est pas possible. Ah non! Ok. Écoute-moi, sale cafard. Ouais. Prépare l'encre. Dès qu'on arrive, faut que tu mettes l'encre. D'accord, c'est noté, capitaine. Vous avez à manger pour moi? Gros, tu casses les couilles. Mais pourquoi à chaque fois que je dis un truc, il rigole? À manger pour moi? C'est vrai qu'il est comme ça. À manger pour moi? Je vais le dire à Derka, frère, tu vas voir. Non, pas de bouse. Non, vas-y. Voilà. Eh, y a personne qui parle normal dans ce canal. Tiens, comment tu mets l'encre? Mange ça, vide ton inventaire. Là, t'appuies sur ce. Là, c'est ce côté-là. C'est quoi? Ce côté-là, Inox. Mauvais côté, en fait. Ça met du temps à rentrer, hein. Faut se la donner. Tiens, Amine, t'as vidé ton inventaire, Amine. Ah, ça donne pas beaucoup, il faut encore à manger. C'est urbex, Amine. Tiens, Amine. Je suis dans un truc de humain abandonné. Oh, il y a plein de loot, mec. Note. Ramasse tout, hein. Je ramasse tout. Et ton inventaire, il est pas plein, c'est bon? Non, c'est bon. Moi, je veux monter là-haut. C'est quoi ce truc de merde? Ça me fait super. En fait, on peut rattraper la ferraille à la main, les gars. Oh putain, la mallette. Tiache. T'as la mallette, Gangs? La mallette. J'ai du verre. Oh putain. C'est bien ça, le verre? On l'a déjà. Ok, ça pue la merde, quoi. Non, c'est cool, c'est toujours mieux. Les gars, il faut attraper le requin et l'appeler Bruce. T'as cru que c'était One Piece, enculé? Il a dit appeler requin Brooke. Attends. Non, Bruce. I got you, Bruce. Nos noms n'ont aucune importance. Ils nous ont surnommés de toutes les manières possibles après que ce contremaître a tout divulgué sur les tests effectués au pôle Nord. C'est à moi? Oui. Comme si ça changeait quelque chose. Bon sang, comme si nous pouvions faire la différence à ce stade. À toi. Il semblerait que le prototype soit loin d'être stable. Seulement je savais où nous sommes. Si seulement cette tour radio qui se dresse à l'horizon n'était pas notre unique point de repère. C'est à moi? Oui, c'est pas... Après trois jours de tests, les appareils 12, 16 et 8 ont échoué. Le noyau de l'appareil 16 a tellement brûlé qu'il a perforé le puits. Sa charge utile qui a sombré dans l'océan dégage une chaleur suffisante puissante pour continuer de brûler pendant des certaines années. T'as envie de te battre ou quoi? À vérifier les niveaux de Essaie radiation. Essaye de lire le plus vite possible la ligne là. Taro a vérifié les niveaux de radiation émis lors de chaque test. Ils ont dit qu'ils allaient l'utiliser dans les refuges et elle a répondu: nous pouvons résoudre ce problème. Oh, t'es trop chaud, à moi. Le plus important, c'est que nous avons appelé, nous, au contraire, d'exploser, expulser et d'émerger le travail. Le plus fou dans tout ça, c'est que nous avons accepté. Nos quatre dégonflés, épuisés et submergés de travail, nous allons sauver le monde. Février. Vas-y. Elle nous a dénoncé, ça a rendu furax les responsables. Ils nous ont dû découvrir que nous travaillons sur les appareils 12 et 24. Ces machines laissent échapper tant de radiation qu'elles sont devenues vertes. Nom de Dieu. Il les a quand même emportés, bien sûr. Oh, les mois avons mis les pieds dans le poudlard. Et nous sommes pendus dans ma poudlard. T'as compris un truc de ce qu'on a lu ou pas?
Non, je vais être honnête. Frérot, j'ai rien compris. je sais même pas ce qu'on a lu, frérot. Non, ah, ça y est, regarde, il est minuit, tu peux. C'est bon, il est minuit, il y a plus grand monde. Il est minuit. Il y a pas tout le monde qui va savoir là. Moi, Amine, franchement, tu me la mets. Hein. Ah non mais... Tu veux pas non. Bon bah je te la mets alors. Je la mettrai. Non plus, non plus. J'aimerais bien faire ce concept en vidéo. Hein ouais, radar, où ça radar. Vas-y attends, je regarde. Hop. 300 mètres les amis. 300 mètres. Putain, let's go. Regarde derrière toi. Ah c'est... Et t'es prépondérant. Oh. Hey, j'ai une question, gros. Je me suis toujours posé la question, mais c'est un peu. Peut-être c'est déplacé alors. Vas-y, dis-moi. En live, c'est bizarre de demander ça. Non, vas-y, dis-moi. Parce que je sais, il y a des gens, ils font dans les fesses. Tu vois. Du coup, je me dis, c'est impossible de rentrer dans les. De faire rentrer dans les fesses. C'est impossible. Locke, hein, comment ils font? Je me pose pas la question. Mais comment il a répondu? On dirait que tu l'as réveillé. Ah non, je l'ai réveillé direct. Wow, regardez. Ouh, il y a le bateau là-bas. Il est le Big Hill. Wow, il est le Big Hill là. Oh. Locke, ça va, Locke? Ouais, ça va. Ah, je suis mort, comment elle a répondu, Locke? Ça se voit, elle était en train de trembler derrière son écran. C'est un bateau de croisière ou quoi là? C'est un yacht! C'est un yacht ou je rêve? C'est pas un yacht. C'est un yacht, frérot! Ah non, le yacht de multimillionnaire. Eh, sur le yacht, il y a Thierry Boyer. Avec mes 50%. Vas-y, je te suis. Oh putain. Personne n'a mis l'encre. Oh putain de sa mère. Mais non, oh là, putain de sa mère. Attends, ah, vas-y, regarde. Tu me suis Amine. Tu me suis Amine. Là, viens, regarde, je suis sur le truc. Où ça? Viens. Où ça? Gros putain, viens, suis-moi doucement. C'est un jacket. Il y a une musique, il y a un OST, t'entends? Attends, je m'arrête. Ah non, y'a pas d'OST, t'as mytho, j'étais mytho et t'as dit ouais, ça m'en fait. Y'a un jacket. Y'a personne, wesh. Wesh. Eh mais attends. C'est une ref à Call of Duty, gros. Oh pièce, une mécanique. Oh non. J'ai quoi? Une balle. Une balle. Comment ça, une balle? Une balle. Attends, mais c'est Call of Duty. Duty. Y'a un autre pièce mécanique, gros. J'allume une lumière, un interrupteur. Pièce mécanique encore. C'est quoi, les gars, ça? C'est quoi que j'ai allumé? Amine, j'allume un truc. J'allume une centrale électrique. Essaye d'ouvrir les portes. Ok, j'y vais. Quel coup? Non, par contre, Mofek, il y a un bruit de fou, là. Vous l'entendez, Locke? Tu l'entends? Frérot, je suis sous le bateau. Mais t'es pas sérieux? Si. Sa mère, sa mère. T'es au fond du bateau? Oui, viens. Arrive. T'es là? Là. Je me suis la tête, toi, je me fais attaquer par un truc. Y a rien. Avance. Ah, c'est quoi? Mais là on joue un jeu d'horreur là. C'est le roi des rats. C'est le roi des rats, frérot. Wow, c'est quoi ce bordel? Suis-moi, il y en a plein, je pense. Viens avec moi. Loot. T'es mal, le nombre de trucs qu'il y a, frère, dans la salle. T'es, toi, il m'a fait trop peur, le rat. Il y a grave des ressources. Ouais, prends tout, ma gueule, prends tout. Il faut enregistreur, balle. Okay. Fils de pute, c'était quoi ça? C'était quoi? Le dernier truc, c'était quoi déjà? Là. Attends. Oh. Wesh. Oh. Sa mère. Oh. Nouvelle note. Carré. Ah, fils de pute. C'était quoi? Eh, il est hanté, ce putain de bateau de merde. Eh, viens, c'est là. Là, utilisez. Oh, putain de sa mère. Let's go. Attends, let's fais go. Gaffe. Attention. Fais gaffe. Il y aura la bête. On l'amène. L'OST, il est exceptionnel. Fils de pute. Arrête. Non, j'arrête. Vas-y, vite, prends tout. On a la dernière pièce mécanique. Ça... Il y en a un derrière toi. Quoi? Tu meurs, mais c'est quoi? Mais c'est pas possible, il y a des sabléros partout. Mais gros, il fait trop peur, ce bâtard. Ah, il est incroyable. Oh, il y a un autre monstre. Fils de pute. C'est là? Il y a le bureau à ton daron. Fils de pute. Bon, en vrai, j'aimerais bien mon daron, il a un bureau comme ça. Okay. Ah, j'ai mis la bombe. Okay, ça va exploser, je m'écarte. Wesh. Je suis mort. Vas-y. Tiens, Inox. Inox, ramasse ça. Quoi? Ramasse quoi? Tiens,
Ramasse ça, tu le mets dans ton inventaire, tu l'équipes. Je vais ramener Amine. Amine, je te féliciter. Chez. Allez, canne, canne, bolos. Et c'est moi qui ramasse tout, t'as trop le seum. J'ai tout ramassé. Toi, t'as rien servi. J'ai tout dans mon inventaire. Il y avait quoi dans l'endroit? Un plan pour faire un volant et un plan pour faire un moteur. GG, on va pouvoir faire un volant et un moteur. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un radeau qui va vite. Tu bouges là? Ouais, je bouge les BG. Inox. Ouais. Et Locke. J'ai passé vraiment une soirée de fou, merci. Mais moi, j'ai kiffé de fou. Les gars, je suis désolé, Locke, les gars. Passez tous une bonne soirée, je vous kiffe. Vous êtes les meilleurs, ne l'oubliez pas.